Voilà, madame, mademoiselle et messieurs, bonsoir. On se retrouve encore une fois pour notre émission Congo Musica, musique un peu spéciale aujourd'hui, car j'ai un invité. Je vais vous le présenter tout à l'heure. Mais à la une, un seul titre. Vous voyez sur l'affiche 50 nuances de la rumba. 50 nuances de la rumba, c'était un concert spécial des instrumentistes de la rumba. Se sont attendus, ils ont répété ensemble, enfin pour monter un concept un peu spécial. Ils ont monté un concert extraordinaire, tout ça sous l'initiative de Monsieur Gino Okota, sous la direction artistique de Chimanga, Olivier Chimanga, qui a égayé le public. Vous allez voir des extraits de ces concerts. Eh bien, c'est une grande première. Nous avons vu des instrumentistes sans le chanteur. C'est vrai, et vous le savez, que nous avons toujours dit, la base de la rumba, c'est la guitare. Ils nous l'ont prouvé hier, preuve par neuf, qu'on peut écouter la rumba sans la mélodie, on peut écouter la rumba sans les chanteurs, qui ont longtemps volé la vedette aux artistes musiciens. Je vous dis encore et bonsoir, bienvenue dans notre émission Congo Musica Musique. Eh bien, ce soir, pour commenter l'émission, nous allons en parler avec notre invité. Il s'agit de monsieur Lionel Mpassi, qui est archiviste, hein. Il va me corriger si je ne le dis pas bien. C'est ça. Vous êtes archiviste, réputé dans Paris. Les gens ne vous reconnaissent pas, mais vous êtes très actif sur YouTube. Vous avez amené beaucoup de tubes, beaucoup de chansons rares que nous voyons sur YouTube. Je peux d'ailleurs dire aux amis téléspectateurs, la chanson Joselina, que j'ai interprétée, j'ai essayé d'utiliser dans mon film Bandel sur Paris. Je l'ai eu grâce à vous sur YouTube. Exactement. Bonsoir Lionel. Comment vous êtes arrivé à vous lancer dans cette aventure, vous qui êtes né il y a juste une trentaine d'années? Mais déjà, bonsoir à vous, chers journalistes. Merci de me recevoir dans votre plateau. Oui. Alors, c'est très simple. Ce virus, je l'ai eu grâce à ma famille paternelle, puisque c'est grâce à ma famille paternelle que j'ai baigné dans cette musique-là. Et à force de grandir, bon, j'avais ce souci-là aussi de bien connaître la langue. Et à force de grandir, bon, bah, on fait un peu plus attention aux paroles de chansons, on essaie d'être un peu captif, de prêter attention à ce que les chanteurs disent là-dedans. Alors c'est ça qui m'a beaucoup fasciné. Et avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une pénurie d'archives. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait personne. Enfin, il y a peut-être des gens, mais qui ne se manifestent pas comme moi je me manifeste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le souci de me lancer dans la restauration des archives, mais surtout pour permettre à ce que notre patrimoine soit suffisamment sauvegardé et non pas éparpillé de gauche à droite. Parce que voyez-vous, c'est un travail incommensurable, voire un travail monstrueux. Ça prend du temps, ça demande de l'énergie et ça demande aussi beaucoup de moyens financiers et toute une logistique pour ça. Surtout que parfois, je me retrouve avec des bandes qui sont dans des états, bah, malheureusement, dans des états critiques. Donc, pour remettre ça au goût du jour, bon, bah, c'est tout un problème. Mais je ne me décourage pas, je me dis qu'avec la persévérance, on y arrive toujours. Nous allons en parler au long de cette émission. Et pour ce faire, d'ailleurs, pour ces soucis-là, j'ai rencontré la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Madame Fourara Catherine, qui est venue à Paris spécialement pour participer à ces concerts. Une grande première dans l'histoire. Génial. Une grande première dans l'histoire de la musique congolaise, où on trouve sur la scène que des instrumentistes. Ils nous l'ont prouvé que la rumba, c'est vraiment les instruments. Nous allons suivre des extraits, la réalisation, si vous pouvez nous prouver des extraits, avant de passer à l'interview de Madame la Ministre, qui nous a bien expliqué. Je lui ai posé des questions sur l'entrée de la rumba, qu'est-ce que ça change 2 ans après, et puis quelles sont les solutions sur cette histoire des droits d'auteur. Et puis, elle m'a dit qu'il y avait un forum qui se prépare. Nous allons suivre en exclusivité sur Elite Média Télévision cette interview accordé par Madame la Ministre, grâce à l'initiateur du projet, grâce à l'organisateur du projet, du concert, Monsieur Gino Serge Okota, qu'on appelle Gino Okota, qui nous a donné, le tuyau qui nous a donné ce privilège d'accorder, d'avoir l'interview de Madame la Ministre de la Culture. Je vous rappelle qu'elle s'appelle Catherine Fouras. Elle nous a accordé quelques minutes d'interview. Regardez et on va commenter.
Alors, Madame la ministre est déjà bienvenue à Paris, capitale culturelle, comme elle-même disent les Français. Oui, c'est là où la rumba est partie avec l'UNESCO. C'est ici que la rumba a été reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça va faire 2 ans pour le temps prochain. Où en sommes-nous avec cette histoire? La rumba pour rêve, la rumba pour toujours. La rumba est là. Notre richesse, notre patrimoine, la rumba est notre identité, c'est notre image, c'est la valeur que nous avons au monde. La rumba est arrivée, la rumba a toujours été là, la rumba est partie de l'autre côté de l'océan, la rumba est revenue, la rumba est vraiment forever, la rumba est là pour toujours. La rumba aujourd'hui, demain et éternellement, la rumba est là. La rumba, c'est ce patrimoine-là que nous voulons valoriser encore davantage. Et ici, l'occasion de remercier effectivement l'UNESCO qui a accompagné l'État congolais à constituer le dossier, à bien le ficeler et qu'enfin, et ça soit reconnu comme un patrimoine. Cette richesse qui doit être conservée, protégée par tous les membres de l'UNESCO. Nous ne pouvons pas rater cette opportunité de faire en sorte que les précurseurs de la rumba vivent de ce travail-là et que chacun, se reconnaissant de cette origine, puisse valoriser la rumba. Aujourd'hui, la rumba scientifique, parce que la rumba a embrassé, en plus d'être la musique, ça a embrassé pratiquement tous les arts. Donc la rumba aujourd'hui, la rumba c'est le développement, la rumba aujourd'hui c'est la sculpture, c'est la peinture, la rumba c'est le mass media, la rumba c'est la littérature. La rumba, aujourd'hui, c'est dans le bande dessinée, dans le cinéma. La rumba, c'est dans le numérique. Parce qu'on ne peut pas oublier que la rumba, elle est toujours accompagnée des instruments musicaux, de tambours, de paroles, des traditions, de nos valeurs culturelles. Et beaucoup plus de cette musicalité, de ces rythmes, de cette mosaïque de... des valeurs et de talents, de créativité. Donc la rumba aujourd'hui, 2 ans, d'ici quelques jours, d'ici quelques mois, c'est les 2 ans de la rumba. Beaucoup de choses ont été faites. Il y a des réunions, il y a des activités qui ont été organisées de l'autre côté du fleuve, à Congo-Brazza. Il y a des activités que nous sommes en train d'organiser à Kinshasa et des activités qui s'organisent ici, au pays de la culture, comme vous l'avez appelé. La France est vraiment le pays de la culture. Et ici, l'occasion de dire merci à la directrice de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui a fait confiance aux Congolais, les Congolais de toutes les rives, et qui... Je suis allée à Rome, c'était à l'occasion des G20 quand je venais juste de prendre mes fonctions. Et là-bas à Rome, j'ai vu la directrice Audrey. Je lui ai dit, voilà, je viens d'arriver quand il y a quelque chose que nous attendons de l'UNESCO. Elle a dit, si c'est question de la rumba, je vous rassure que nous y travaillons. Et c'est cette richesse que nous voulons encore redonner au monde. Et moi, je sais que la rumba va sortir notre pays de son isolement. Effectivement, parce que les politiques l'utilisent, les économistes sont en train d'utiliser la rumba, les agriculteurs utilisent la rumba. Le souci est que les précurseurs eux-mêmes, les artistes, les musiciens sachent qu'ils ont de l'or entre leurs mains et qu'ils puissent en profiter au maximum, qu'ils vivent de cette richesse et que leurs familles puissent aussi bénéficier. Le pays a été considéré comme une structure peut-être irresponsable parce qu'il n'y a pas eu de loi protectrice de précurseurs de la rumba, parce que obsolète, effectivement, dépassée. C'était des anciennes lois qui ne prenaient pas en compte toute cette reconnaissance des gens qui contribuent à la reconnaissance de la rumba. On a eu l'occasion de voir seulement l'élite, les gens qui prenaient le micro, le vocal, sans tenir compte du fait que ce vocal, il est accompagné des rythmes, des musiques, des instruments, du tambour, des gens qui criaient. Mais des paroliers, parce qu'il y en a des paroliers qui n'ont même pas chanté, qui n'ont pas joué les instruments musicaux, mais qui ont fait que la rumba s'affirme et notre langue elle-même, la langue lingala. Parce que la rumba, si la rumba on la chante en français, en créole, en espagnol et tout,
Ce n'est pas cette rumba là, la kumba, cette danse de lingala. La rumba se chante en lingala. Aujourd'hui, c'est vrai, et c'est ça d'ailleurs l'évolution de la rumba. Maintenant, en soi, il est en Chiluba, en Kikongo, et dans d'autres langues d'Afrique, et les langues du monde, même en anglais aujourd'hui, et en français, les gens essaient un peu d'utiliser la rumba. Mais nous connaissons que la langue qu'on a toujours utilisé. La rumba, c'est les lingala. Et c'est pourquoi, dans le perspective, on veut mettre en place l'école de la rumba, les conservatoires où on doit garder les instruments de la rumba, les musiques, le cante de la rumba, la façon dont Nico jouait à sa guitare. Et c'est un peu de le mettre dans de l'anthologie et que les générations apprennent. Dans les écoles, que les gens apprennent à jouer la guitare comme Mambo, à jouer la guitare comme Grand Nico et beaucoup d'autres que nous connaissons peut-être seulement par leur touche, sans connaître leur nom. Et le ministère de la Culture, que nous représentons probablement, le gouvernement congolais voudrait honorer tous ces gens-là qui ont contribué à ce que notre identité soit reconnue et revienne, renaisse de ses cendres. Nous allons faire des mémoriaux pour que tous ceux-là qui ont contribué à la rumba puissent être reconnus, que ça puisse être étudié dans les écoles, qu'on reconnaisse l'histoire, les paroles, qu'on puisse faire cette rumba potable, c'est-à-dire la musique qu'on peut écouter, la musique qui peut nous inspirer, qui peut nous aider à créer une génération responsable. La musique qui va nous construire comme les gens qui chantent les idées de leurs leaders. Dans notre musique, on va chanter les idées de nos leaders, on va chanter les idées de nos littéraires, on va chanter l'histoire de Kipa Vita et de tout cela qui ont fait que notre identité puisse garder sa valeur. Ce qui a été mal écrit, ce qui a été mal raconté, c'est avec la rumba que nous allons encore corriger tout cela. Et c'est ce que nous disons, musique ilolenge mosusu. C'est un concept cher à notre artiste Jean Goubal. Avec les autres, il y a Reilema que nous avons reconnu quand nous faisons l'intemporalité. C'est un terme avec le calendrier de la rumba que nous avons mis en place. Nous essayons de reconnaître tous ceux-là qui ont contribué et qui continuent à faire valoir la rumba loin de la terre de nos ancêtres et qui continuent à vendre et à valoriser notre pays. Reilema et beaucoup d'autres, je suis en train de voir ceux-là qui contribuent dans la perpétuation du travail de ceux-là qui nous ont précédés dans l'au-delà. Ils sont nombreux. Leurs noms ne sont pas connus au pays. Leurs noms, même s'ils sont connus, peut-être on ne fait pas une vulgarisation et s'approprier, faire en sorte que les petits Nico naissent aujourd'hui, les petits Luambo, les petits qui sais-je encore. Ils sont nombreux. Je voudrais que leurs noms sortent comme quand nous citons le nom de Français, quand nous citons le nom de la jeunesse aujourd'hui, Fali Pouba, Papa Wemba, on parle de Kofi Olomide, Ferregola, on parle de Wenge Musica, avec tous ceux-là qui ont fait les temps de ces Wenge-là. On parle de Inosbi, aujourd'hui c'est la jeunesse. Je ne fais pas leur publicité, mais au moins ces noms-là, comme les noms des anciens ont perduré, nous voulons le perpétuer au travers de cette jeunesse d'aujourd'hui et aux générations à venir. Et donc la rumba, ce n'est qu'avec la rumba que nous pouvons faire cela. Voilà, vous avez suivi la première partie de l'interview de Madame la Ministre. Elle parle de ce qu'on appelle le droit d'auteur. C'est vrai, mais la rumba est encore riche. Vous avez vu ces concerts, les extraits de ces concerts. Comment vous vivez ce genre de concepts? Je suis tout simplement aux anges. Je suis, on va dire, très heureux que cette initiative ait pu se présenter parce qu'effectivement, je pense que beaucoup de gens qui sont spécialistes de la rumba comme vous et moi attendions aussi ce moment depuis très longtemps parce qu'on a toujours eu l'habitude de mettre en avant les chanteurs alors qu'il ne faut pas oublier que d'abord la rumba congolaise, c'est d'abord le son de la guitare. Et si nos chansons aujourd'hui ont connu la réussite qu'elles ont connue jusqu'à aujourd'hui, mais cette réussite, on le doit d'abord à ces instrumentistes, puisque c'est eux qui perfectionnent la musique. Alors une telle initiative, je trouve ça génial, je dis bravo à l'organisateur, bravo aux participants aussi, parce qu'ils ont fait du bon boulot, ils ont vraiment fait du bon boulot, et il faudrait que des projets comme ça puissent se pérenniser dans le temps. Ça commence bien parce qu'ils ont joué lundi 18 septembre, c'était à 20h dans la salle Pierre Cardin, dans le 8e, très classe,
la prochaine fois qu'il s'assoit quand même dans des quartiers un peu ordinaires, et ça serait bien, oui. Oui, c'était un peu compliqué à côté de l'ambassade des États-Unis, l'ambassade la plus surveillée ici à Paris. Effectivement. C'était bien. Bonne nouvelle, ils ont déjà une invitation. Juste 3 jours après ces premiers concerts, ils sont invités le samedi dans un festival de la musique africaine à Châtelet. Vous êtes invités, si vous n'avez rien à faire le samedi, allez voir nos compatriotes. Génial. Avec Olivier Chimaga, accompagné des artistes. Il y en avait plein, Doa Congo, Patient Kusangila, le vieux Eddie Mabungu, Ada Mwangisa, Kimbangu. Il y en avait plein, hein, on ne pouvait pas arrêter de dire tous les noms. En tout cas, tout le monde y était. C'était vraiment bien. Jimmy Boda, qui a animé à côté percussion. Il y avait aussi la batterie. C'était vraiment bien de voir les instrumentistes sur scène. Et voilà, les invitations commencent. Et l'organisateur m'a soufflé. Ça se pourrait qu'il joue demain à l'Olympia ou au Zénith. Pourquoi pas un grand concert au stade de Martyr à Kinshasa. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mm-hmm. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Pourquoi pas. D'accord. Merci Lionel Passy. Nous allons voir la deuxième partie de l'interview de Madame la ministre Foura, qui m'a parlé du forum qui sera bientôt organisé à Kinshasa pour cette histoire de droits d'auteur. La musique américaine pèse près de 7 à 8 milliards de dollars par an. Si nous arrivons aussi à nous organiser avec ce temps de droits d'auteur, nos musiciens ne mourront pas pauvres. Nos musiciens aussi vivants comme tous les musiciens du monde, il faut mettre de l'ordre dans ça. Madame la ministre a promis, bientôt il y aura un forum. Écoutez, et on se retrouve. Alors, j'ai toujours dans les recherches, j'ai vu l'industrie américaine, l'industrie musicale américaine, ça fait près de 12 milliards de dollars par an. À quand notre musique, la rumba, qui est quand même la musique la plus populaire au monde, quand on peut parler de l'industrie de la musique au Congo? C'est les droits d'auteur. On en a parlé, on en parle toujours. Il y a toujours un désordre un peu organisé. Où en sommes-nous avec les droits d'auteur? Où l'État et les artistes peuvent gagner beaucoup? Vous avez raison. Aujourd'hui, nous avons un programme du gouvernement. C'était un programme de 3 ans, de 2021-2023, que nous avons essayé de mettre en œuvre. Mais il y avait beaucoup de préalables. Nous nous sommes d'abord attelés à la réforme, à collectionner, d'abord à collecter tous les éléments que nous devons mettre dans deux mains pour que la protection soit effective. Alors, pour la question des droits d'auteur, on est en train de faire déjà le texte de loi sur les statuts des artistes. Comment ils peuvent vivre de leur musique? Alors, récemment, au 103e Conseil des ministres, le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, m'a instruit comme ministre de la Culture à mettre d'abord de l'ordre dans les secteurs, surtout pour la question des musiciens, parce qu'il y a un problème de leadership, il y a un problème de manque d'initiative. Et le président a estimé que là où il y a des problèmes, des conflits, il faudra d'abord qu'on procède par la réconciliation, que les musiciens travaillent ensemble, qu'on ouvre les portes et qu'il y ait beaucoup d'adhésion dans la structure qu'est la structure de musique, la structure des droits d'auteur, c'est la SOFOPA. Il faudra que ça soit réorganisé et que les portes soient ouvertes pour qu'il y ait beaucoup de sociétaires et que les artistes vivent de leur travail. C'est à l'issue de cette procédure, de cette stratégie de réconciliation que nous allons chuter par un forum où nous allons inviter pratiquement tous les culturels à venir contribuer, à s'identifier et à faire connaître un peu le travail qu'ils font, à faire les répertoires de leurs œuvres pour que lorsque nous allons mettre en place les gouvernements, et ça c'est toujours le chef de l'État, il veut mettre en place un outil pour essayer un peu d'accompagner le travail des artistes. Et ça sera avec une grande entreprise qui a toujours fait cela ici en France comme ailleurs. Et ça va nous aider à retracer, à faire le répertoire, à canaliser tout ce qui est travail des musiciens, des instrumentistes, des batteurs de tambour, de tout cela qui utilise l'électricité, l'électronique. Donc tout cela, les auteurs comme le voisin,
de la musique et de tout ce qui est culturel vont retrouver leur compte. Donc c'est vraiment un travail de chaîne et il faut d'abord avoir des bases. Et ce sont des bases juridiques. À côté des bases juridiques, maintenant, il faut des responsabilités. C'est du business. Les gens doivent vivre de ça, nous le voyons. Avant, c'était une histoire juste, l'histoire de la tradition, où il n'y avait pas l'esprit de lucre dedans. Et c'est comme ça que peut-être beaucoup de choses nous ont échappé. Mais suivant les standards, aujourd'hui, nous ne pouvons pas prétendre être en dehors de ce qui se passe sous notre yeux. Et c'est pourquoi nous venons nous inspirer des échanges, des exemples de visiter, essayer de voir comment nous pouvons rapprocher et ramener nos artistes à vivre de leur travail. C'est pourquoi des activités, des concerts, des activités de renforcement des capacités et tout sont en train d'être canalisées et le gouvernement est en train d'accompagner, de suivre, de s'approprier et de faire une grande visibilité de tous ceux-là qui sont dans la diaspora comme au pays afin qu'il y ait cette symbiose qui est l'imbrication des actions et que dans la détection des talents, dans la reconnaissance, la valorisation des œuvres, que la Rumba puisse être cet élément qui nous met ensemble et qui booste pratiquement cette industrie culturelle créative, cette industrie culturelle de la musique où les gens vont vivre du travail qu'ils sont en train de faire. Voilà. Monsieur Mpassi, Lionel, dites-nous, aujourd'hui, il y a trois musées à Kinshasa. La maison de Papa Wemba a été achetée par l'État. C'est ça. Il y a le musée national déjà conçu par des Coréens. Et bientôt, il y aura la grande maison de la culture de l'Afrique centrale. C'est ça. Oui, qui est presque en fin. Ça sera inaugurée à la fin de l'année. Donc, nous aurons trois gros musées. Mais apparemment, c'est vide. Il n'y a pas assez d'éléments sur la rumba. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire pour faire le même travail que nous? C'est-à-dire rechercher, nous sommes à la recherche de toutes ces archives laissées par nos musiciens, soit par l'exigence, et les éditeurs également, hein, bien sûr, qui bien ont sûr. Été piratés. Il faut dire aussi à Kinshasa, il y a eu pillage en 91 et 92. En tout cas, la Radio Nationale a perdu beaucoup d'archives, mais des choses qui se retrouvent, hein, chez des individus, chez eux, ou peut-être ils l'ont mal conservé. Peut-être ils ont bien conservé. J'aimerais bien que vous lancez un message à ceux qui peuvent même bien nous amener des archives qu'ils ont pour eux. Nous pouvons mettre ça à la disposition de tout le monde, comme INA aussi. INA ici en France, l'Institut National d'Audiovisuel, qui garde toutes les archives de la République. Pourquoi pas nous? Le ministère de la Culture est en train de chercher. Est-ce que vous aurez un message à adresser à ces publics? Merci, cher journaliste. Alors, le message que j'aurais adressé au public qui nous suit depuis toujours d'ailleurs, ce travail-là, ce n'est pas pour moi. Ce travail-là, c'est d'abord une façon de défendre les couleurs de notre pays. Parce que, on peut dire tout ce qu'on veut, le Congo est très riche sur tous les plans, notamment sur le plan culture et art. C'est la raison pour laquelle j'invite tous ceux qui ont gardé des choses précieuses dans leur maison sans pour autant connaître la valeur de ce qu'elles gardent. C'est le moment pour ces gens-là de se manifester. Oui. Parce que notre musique, disons, notre culture, notre art est très riche en soi. Mmh. Moi, j'aimerais bien un jour aussi que, parce que la jeunesse se renouvelle, j'aimerais bien aussi que mon fils puisse connaître ce que le Congo, par le biais de ses archives, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien aussi que d'autres jeunes comme moi se manifestent et ce souci-là de sauvegarder le patrimoine culturel de notre musique. Parce qu'on le veuille ou non, la rumba congolaise, elle a traversé des océans. Toute parce seule, que nous avons eu des gens qui ont contribué, qui ont porté l'étendard de cette musique. Alors, le message que moi j'aurais adressé à ces gens, c'est le moment de vous manifester. Réveillez-vous. Il y a des projets qui sont là. Mais sans vous, ces projets ne peuvent pas se réaliser. On a besoin de vous. Ces archives doivent être déterrées. Elles doivent être déterrées. Plus question de les laisser comme ça. Voilà. Elles doivent être déterrées. D'accord. Donc c'est à nous, comment dirais-je, de faire ce travail-là dans ce sens. Et nous qui sommes là, nous avons le matériel qu'il faut.
Il faut juste les moyens. Je pense que les moyens viendront avec le temps aussi. Mais tout ça, avec votre contribution, je pense qu'on arrivera, comment dirais-je, à quelque chose de grandiose. Merci Lionel. Ça sera votre dernier mot. Voilà, madame, mademoiselles et messieurs, nous allons prendre la dernière partie de cette interview accordée par madame la ministre de la Culture, madame Catherine Fourara, hein, qui dirige bien ses ministères, qui a des projets, qui a de vision. Elle me l'a dit, même si elle partait, elle aimerait bien laisser une fondation. Parmi ses grandes démarches, elle veut réconcilier les musiciens avant qu'on parle des droits d'auteur. Écoutez, madame la ministre. Moi, question d'agenda, madame la ministre, plutôt c'est ça. Bah, miser, comme il est bien, ça. Miser, va courir, va s'aller. Tant qu'on peut pas, et bientôt, maison de la culture a fait son frère. Donc, il y aura de la rumba dedans. Alors, tout comme nous, beaucoup financiers, en gros, il va miser. Surtout beaucoup de tiens, il y a 4 pour tout le monde, 3 ans, il y a un bel et bel. À un moment donné, l'ancien même appel là-bas, tout va aider, ministère de la culture. Tout comme nous, le Cameroun, là-bas, miser, bel et mais à vite, il y a un bel et bel. Ton salé. Merci beaucoup, le Cameroun, Boka, et moi, on a ma solo, tous les bétalés. Donc, les mots qui sont les bons, les Cameroun, pays, la biso, il faut d'abord, boyer, banine, désolé, la culture. Yango bakambo amuse eza makambo poto mais pas na biso ezala ki na te la culture na ba pratique na biso ah ba tu ba dilaka ko kende ko luka bino ko ezala ki ba ko musique ko tu kanisi ke za pene pene na biso eza na banda ko na biso eza na famille na biso donc tu kanisi ke za kaka na makati ya mitema makati ya makila na biso mais tozo yekola oezo le kanabango comme sous sous au bamise au coup de sa bambongo peso ça pouyer ba na ya mboka pe ya bana ba o bazo sala ba o bazo créer beaucoup ba musicien ba sculpteur ba peintre ba tu ya kala ya tradition ba folklore et tout alors au lobby que ba mise comme un bébé mais ezo le kandenge nini la le kamba ba mise il faut d'abord tout ça la ba infrastructure il faut tout ça la paix na ba to ba yé koli le kamba mise donc ba mise au lobby ba historien comment ba guide et tout makambo ba tout ba pour tanga pour ça la peine d'exposition en temps en ligne au tout ça qui pour mon période de COVID et tout ba tout ça qui pour l'année la makambo tout ça qui tout quand même la bande mais ba tout ça au apprendre ba zo l'année la paix ba zo yoga ba zo découvrir pe bilo ko pe donc la bonne vie se fait tout zo l'année la makambo donc tout tient et ça là avènement en grande les gouvernements ils sont bien d'accord papa Wemba on a pour immortaliser notre artiste musicien papa Wemba. Artistes musiciens n'ont pas au bas à la précurseur à rumba. Ce que tout soumis dans le monde, il faut la réhabilité pour bilo que nous sommes musiciens au bas au fakib au bas à la même libre. Bilo que la bambou est côté à la carte, il y a guide, la directeur à la musée babanda pour la kisabato. Ce qui n'est ni valeur ni des à la carte. Et que ça a l'occasion pour le côté savambou, c'est à dire avant de venir, il faut qu'on bouquer, il faut qu'on visiter, vous foutez comme un bon goût et que ça a pas pour le sous au bas pour ça la porte ouverte. Donc, on va tout bailler, bailler pour découvrir. Tu veux un peu de la question de la culture. Il y a des matériaux et comment qui nous quitter pour le retard à la douane et dans le Cambodge à la francophonie. Il fallait tout tiakama le boko na ba oyo ba zala qui sélectionné pour la possible ça va construction déjà francophone na ngo toujours retard à 3 mois na quand dit que na décembre ba ko livrer biso œuvre inande ko banda ko sala wana inande institution oyo ko banda ko gérer oyo ba ta tongi pour l'Afrique pour ça les Cambodge dans le petit conservatoire ba salle mukebele ba salle qui tombe ya nani ya spectacle za wana ba studio tout ko bozo biloko ba équipement na ja francophonie ya ngo to côté ça pour bana ba ba là ba musicien ceux qui va dire ma côté studio ba yeba côté studio ba yimi kana Kinshasa ba kosala ba déplacement et bien mingité pe ba spectacle que vous allez payer ba événement ya ba artiste sous donc tu ba symbiose wana na likambo ya
refusé à bas coréen au bas de batonga qui n'a démé la démé qui tire les déjà pour potanakati pour notre coopération à bas belge et ça déjà effectif le réseau zonga roi belge ayaki na 2022 a été signé protocole dans le ministère des Affaires étrangères. To ayazo ici kutu masque mon commune ne ya basu coupé baye ko tala masque na bango ko yamba na yango de to décret na biso premier ministre a signé décret et ko la ki saki ko za la ka biloko ya retour ya objet culturel de ko za la pe archive na ba reste vivant reste humain o eza na histoire na biso batu mingi yamba ke na ko sa ba analyse ba recherche na bango baye na bango to avancer na biso ça va goûter ça ah on a un laboratoire ah on a photo alors il faut bantu pour une zone pas la petite photo pour dango la basimétrie na yambonde bantu sur le Venezuela de la Suède et tout dosu ça la répertoire la plus connue sur vous et qui est d'accord c'est ça donc ils ont déjà ouvert ils ont actualité fait ouvert ils vont beaucoup sur ce réseau donc bah musée et vous allez garnir la bureau dans ton programme qui est d'accord pour avoir un musée de la Rumba ton dans ça qui message à Rumba dans la salle qui n'a pas famille, ma camarade naïe, ma tout, ma zankara, ma femme naïe, ma bâtir, ma zana biloko naïe, ma yéla biso biloko wana, ma trophée naïe, ma bilamba naïe, biloko oye, et pour lier biso na, ma likambo wana, poto tia wana musée wana, pe ya ba simaro, ya ba nyonso wana, ba papa, ba grand calé, ba nyonso o, ba sali, ki bisi, ko biso yézala, e yéla nape, et ko zala lieu. Il y a reconnaissance, mais aussi lieu, il y a visite, il y a pour perpétuer, pour pérenniser, différentes, baya pour investir pour n'importe quelle culture des secteurs hauts, ils ont besoin de sur la place dans le secteur hauts déjà là. Donc awa bah musée ça l'ipet au retour bah musée mais vous allez qui justement dans la province il faut pas tout le monde se bat congolais nous on a eu que richesse dans le ça pas dans le il faut besoin de te conserver richesse dans le sud besoin de tout ça là pour ayez bah la paix dans mon pays bah touristes bah banda pour ya hein les cambois ya sécurité il faut que là que ça va toute sécurité ça n'a même pas dans le sud paix dans mon pays dans ma culture paix et que ça là que sécurité on les a Maman ministre, merci. Je vous en prie. Merci à vous de me tendre le micro et de me donner l'occasion de parler de la culture à tous ces Congolais qui nous suivront de partout. Voilà. Lionel, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir répondu à mon invitation. L'appel, je crois, c'est attendu. Tous ceux qui ont encore des trucs chez eux, ils peuvent nous contacter. Le numéro de contact est affiché en bas de l'écran. Tout à fait. Vous avez besoin de la musique à Kala. La musique à Banakenge, Tozoluka. La musique à Chemchem Yetu. Ma musique est Kala, ma chanson rare. Pirbakuba, ma musique est Bélé, tous. Kiam, Banini, Benga Bisso, tout le monde à disposition, il y a Batunio surtout. Ma musique est Zana Kinshasa, et Zozanga Biloko. D'accord, papa, mais comme ma musique, le tour de la musée nationale, bientôt, tout le monde dans la grande maison de la culture, place ma concert et ma narobeta. En tout cas, moi, que je fais moi, sur le plan culturel. Musique, c'est la richesse, Nabiso. Richesse, va payer bien les gens la musique. Bah, toi, comment on aime ce que tu as, Nabiso, bah, Congolais, Karobina.
Mais pour bini ça bat faux ça la mayele. Batunyo so bazana musique té. Ba kongole mso bazoba, so ba bino bino robina, il est gêné, c'est vraiment idiot complètement. Congo a pé sa musique na yena monde, le komi patrimoine matériel dans le monde. Donc c'est pas n'importe quel pays azana ngoba bini, ba payer belé et ça triste pour ba la musique té. Tous à la fière, talent de l'olinga, les ont dominé, c'est par notre musique. La force d'un pays, c'est sa culture. Eh oui, sans s'imposer, l'Igala est côté à l'Angola, est côté à l'Avagabon, et comment partout, dans Poto. En Amérique latine. Oui, en Amérique, Batmaso, le Baligala, c'est par notre musique, c'est une force culturelle. Bisous, toi, Bataminou, quitté. Toi, Batamou, tu vas m'habiliter. Bisous, c'est notre culture, notre fierté. Yango Moni, Congo est toujours debout, parce que Tolinga, d'abord, Mboka Nabiso, Tolinga, musique Nabiso. Alors, si vous avez un biloko, vous avez un biloko, vous avez un biloko, pour conserver un biloko. Or, nous avons un biloko pour ça, à côté de nous. L'État, quand nous tient à la disposition, il y a un sombi, il y a un droit d'auteur, il y a un tout. Et puis, l'État, il m'a gardé un peu. Pourquoi pas? Ma musique, il y a un pauvre, il y a un lobby. Musique américaine, c'est plus de 7 milliards. Musique française, peut-être la moitié. Donc, il y a 500 millions par an. Même plus. Avec, même plus. Avec comme un droit d'auteur. Au bête musique, au foutu moi centime. Et que vous êtes un bon ou un belé. Tous à la fière, na rumba na biso. Tous à la fière, na musique na biso. Bah, tu belé ma vie à biso. Je vais te raconter une petite histoire. En 80, en 2001, je crois. C'était le concert de J.B. Piana à l'Olympia. À l'Olympia, ouais. J'étais avec mon frère et sa femme. Nous étions au concert. J.B. Piana. Et ces musiciens, c'était vraiment bien. Un ami ivoirien m'a croisé. Il me dit, Hippo, vous ne saviez pas qui vous êtes, vous les Congolais. C'est-à-dire, nous, nos moments comme ça, nous ne le vivons pas. Tu vois, dans ces pays, souvent, il y a l'histoire des tribalismes, des consorts. Mais chez nous, la musique, ça nous réunit. Tu vois que l'ivoirien était triste, il dit, des choses comme ça, nous ne vivons pas chez vous. Regarde comment vous êtes propres, vous êtes ensemble. C'est extraordinaire. Il faut bien conserver votre musique. Eh oui. Ah oui. Je vais te dire encore une histoire. Moi, quand j'écoute Grand Calais, je vois la grandeur de la RDC. J'ai dit, quand la RDC s'organisera, l'Afrique bougera. Nous sommes un grand pays. Nous sommes une très grande culture. Nous devons être fiers de ça. Regardez la rumba est passée partout, sans forcer. L'homme n'a jamais passé sur TF1. On n'a jamais vu TF1. Nico n'est jamais passé sur France 2. Mais regarde comment ils sont populaires. C'est ça. Merci, Lionel, d'avoir répondu à mon invitation. Vous allez revenir, qu'on parle des 70 ans de Grand Calais. Avec plaisir. 70 ans d'African Jazz, créé en 53. Et puis, nous parlerons de 40 ans de la disparition de Grand Calais. L'incomparable, l'unique. On verra pourquoi il reste le plus grand de la musique congolaise moderne. Merci, je vais dire merci à Gino Okota, à Serge Okota, d'avoir donné l'occasion d'interviewer Madame la Ministre et surtout de nous avoir permis d'avoir des extraits du concert. L'exclusivité est gardée pour la maison. On respecte votre choix. Et puis, nous serons là la prochaine fois, pourquoi pas au concert de samedi. À Châtelet-Léal, vous dites 14h. Mami Méloman, si vous avez le temps, passez à Châtelet, voir ces artistes musiciens sur scène, juste des instrumentistes. C'est extraordinaire. Encore l'hymne des richesses, l'hymne des découvertes de la musique congolaise, la rumba que par les instruments. Merci à toi, Gino Okota, de nous avoir donné cette occasion. Merci à toi, Lionel Mpassi, hein, d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Alors, on dit grand merci à Christian Babou qui était à la réalisation, caméra et consort, assisté par Sonny Mukanda. On fait également bon retour à notre coordonnateur Roger Kabeya, des retours de Kinshasa. Merci Roger. Et on fait un coucou à notre ami téléspectateur fidèle Coco Chango, qui est quelque part dans la région parisienne, et Guérava Toto du côté de Clermont-Ferrand. On n'oublie pas. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour parler des 70 ans de l'African Jazz, surtout 40 ans depuis le départ de Grand Calais qui nous manque. Aujourd'hui, la rumba est dans l'UNESCO, Grand Calais n'est pas là.
on parlera de lui. Merci Lionel. En tout cas, revenez. Cette fois-là, vous devez être un costard puisque la rumba, c'est un comportement. La rumba, c'est du sérieux. Nous serons en costume pour parler des Grands Calais et de l'Afrique au jazz. Merci de m'avoir suivi. Merci à notre invité. Merci à vous. Et à très bientôt sur Elite Média, Elite Média France Télévision. Abonnez-vous, surtout partagez cette émission, l'interview exclusive de Madame la ministre de la Culture et Arts sur notre chaîne, Madame Catherine Fourard. Merci et bon séjour, Madame la ministre, ici à Paris, la ville culturelle. Bonsoir.